Ah, il est là pour prendre des gains. Hein. Belles origines. Il va les prendre. Allez, on accélère. Annie Ford Debo, prudent, numéro 2, le long de la corde. C'est le 4 qui prend le meilleur départ. Lady Butterfly avec le 5 qui vient à son extérieur. Jiskewicz, Katyn Kadov est également bien parti. La faute de Little Miss Melody, c'est important parce que Miss Melody était l'une des favorites de l'épreuve et elle se retrouve hors course. Oui, et Fabien Darchi, le 8, eh bien, commence à rapprocher. Assez spectaculaire tout en dehors avec True Lady Butterfly le 4, le 8 Fabien Darchi. Ensuite, l'on note l'As à la corde Honor Bright. Tandis que pour l'instant, Nifor Debo assure, il est en 6-7e position. Oui, il est tranquille, Nifor Debo au centre du peloton. Il s'est décalé de la corde pour ne pas se faire piéger. C'est le 8 hein, qui a pris seul avantage maintenant Fabien Darchi. Il y a une grosse cote hein, sur Fabien Darchi. En deuxième position, le numéro 4, Lady Butterfly. À l'arrière, on est au galop avec le 9, Gaël Ponvautier, qui est déjà très très attardé et qui est hors course. Donc le 8 devant le 4. Ensuite, on retrouve bien placé le long de la corde l'As Honor Bright. À l'extérieur, le numéro 5, Jinskewicz, qui fait les extérieurs et qui emmène le favori Nifor Debo qui se rapproche. Oui, Flash du Condos aussi est à la faute le numéro 10 à l'arrière avec en tête Fabien Darchi suivi en dehors par le numéro 5, c'est Jiskewicz suivi du 2 maintenant Nifor Debo et puis quatrième dans la corde Lady Butterfly. Derrière eux, on a l'As Honor Bright et Nifor Debo qui vient de plus en plus vite. Lady Butterfly était disqualifié. Hein. C'est l'As qui est long de la corde en, sur une troisième ligne. Attaque Nifor Debo maintenant le numéro 2 avec le 2 qui a l'avantage Nifor Debo. Le 5 qui vient en deuxième position. On retrouve ensuite bien placé le 8 Flame Anarchy. Lady Butterfly est bien là, David. Autant pour moi, c'est Little Miss Melody qui a été disqualifié. Autant pour moi, Lady Butterfly est toujours en bon rang en cinquième position. Et puis on attend avec Kaboom aussi le numéro 7. Et voilà, Nifor Debo qui va commencer à accélérer sans doute devant Jiskewicz, ensuite le 8 Fabien Darchi, le 4 l'effort en dehors de Koulalis, le 3 la courageuse qui emmène Kaboom et puis dans la corde l'As encore Honor Bright. Ça a accéléré hein, tranquillement avec Nifor Debo qui sur une simple petite accélération est venu en tête. En deuxième position il y a Jiskewicz qui est maintenant le bon parcours dans son sillage. Fabien Darchi est 3ème. À l'extérieur Koulalis le numéro 3 mais qui doit faire maintenant l'extérieur et Kaboom qui essaie de se rapprocher. Allez, Nifor Debo et Jules Van de Put Junior qui sont en tête toujours devant le 5. Il y a des réserves. Hein. Jiskewicz, le 3 en dehors, Koulalis, c'est pas facile, mais elle est courageuse. Kaboom se rapproche et Lady Butterfly est toujours dans la corde. Tournant final, Jules qui contrôle avec Nifor Debo très facilement dans son sillage toujours Jiskewicz. À l'extérieur, Koulalis qui fait mieux que se défendre. Ça marche décidément très bien cette bride. En 4ème position, nous avons le numéro 7, Kaboom, qui va déboîter dans quelques instants. Oui, avec le 2 Nifor Debo qui repart de plus belle et cette fois, eh bien, attention au 7 Kaboom qui revient très très vite, mais il va s'imposer Nifor Debo. Il était prêt aujourd'hui, encore mieux que l'autre fois et c'est fait. Le 2 devant le 7, le 5 et le 3 suivi du 8 à distance. Ouais, Fabien Darchi qui finit bien en dehors, mais trop tard. Hein. 2, 7, 5, 3, 8, on va revoir cette arrivée au ralenti.